et bienvenue sur RCF. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de la nouvelle X-Ray X1 2019, donc la cinquième version de la X-Ray X1, qui est donc la plateforme à dixième F1 chez X-Ray. Donc dans cette vidéo, on va parler ensemble du montage et puis un petit peu des options qui ont été apportées à cette cinquième version. Et puis on reviendra ensemble sur les essais que j'ai pu faire sur piste. Donc j'ai pu faire deux essais sur piste moquette et sur asphalte. Je vous parle un petit peu des résultats qu'on a pu obtenir durant ces essais. Et puis on fera un petit point sur la qualité de l'ensemble. D'abord on va parler du montage, hein, puisque cette X1 donc un kit à monter qui est livré sans tenue avec une caro et des ailerons. Le petit bémol, comme je le dis tout le temps depuis la version 2015, c'est qu'ils le vendent avec un aileron Lexan à l'avant. Un Lexan qui est interdit dans toutes les compétitions officielles quasiment. Donc je trouve un peu dommage qu'ils ne mettent pas l'aileron plastique comme ça. Bon, c'est un petit bémol, c'est pas grand chose. Donc par défaut, c'est livré bien sûr sans pneus, sans électronique. Dans cette nouvelle version, donc les principaux changements vont se situer d'abord sur le train avant, puisqu'on aura la possibilité d'avoir deux largeurs de train avant possibles, enfin deux réglages de largeur de train avant, puisqu'on va le voir en fait sur le train inférieur. Je vais essayer de faire la mise au point ici, voilà. Sur le train inférieur, en fait, on a ici, et puis de l'autre côté derrière, en fait, on a deux points de fixation ici, hein, qui permettront d'élargir le train avant. Et puis sur la partie supérieure, en fait, la platine ici est changée pour une platine qui est plus large, hein, donc qui se mettra par-dessus, en fait, qui change, on viendra remplacer la platine d'origine par cette platine large. Il faudra faire attention quand même au montage. En fait, cette biellette ici passe juste en dessous l'insert en plastique, donc elle peut frotter, hein, si vous le mettez au point le plus haut. Donc pensez à la baisser un petit peu sur le point vervoiron ou sur le point milieu. Hein, c'est une petite astuce pour le montage. Sinon là, donc, elle est en version étroite. Donc c'est la principale modification sur le train avant. On va retrouver aussi un petit peu plus loin un renfort. Attendez, je vais refaire le point. Hop, voilà. Un petit renfort qui va aller en fait, du train avant jusqu'à la platine centrale. Donc il va nous permettre de rigidifier en fait le flex du châssis. Et puis qui va quand même garder le flex en torsion, mais qui va empêcher en fait le flex longitudinal, on pourrait dire. On garde quand même un point de fixation si on veut rajouter le petit prolongateur qui était livré dans la version 2018. Donc ce prolongateur existe toujours dans le kit. Alors vous voyez dans cette option là d'Ackermann, elle n'est pas livrée dans le kit. Hein. Dans le kit, c'est livré l'option d'origine. Moi je mets la petite option alu qui permet un réglage rapide en fait sur la piste de l'Ackermann, mais bon, c'est pas livré dans le kit. Donc sinon au niveau des réglages, c'est toujours pareil, on a toujours le réglage de chasse donc sur la platine avec des réglages de chasse de 3 à 12 degrés. Et puis pareil, des réglages de carrossage avec des inserts, hein, comme d'habitude, qui nous permet de régler, je crois, c'est de 1,5 à 2,5. Je crois que c'est ça, de tête. Mais bon, la plupart du temps, non, c'est de 1 à 2,5, je crois. La plupart du temps, on mettra 1,5 ou 2. Voilà, toujours la barre anti-roulis. Alors, petite subtilité, en fait, quand vous le mettez en train large, hein, la barre anti-roulis, du coup, comme elle est prévue pour un tronc étroit, elle va avoir du mal à s'élargir, il faudra la tordre un petit peu, quoi. Enfin, lui donner un petit peu plus d'écartement pour pouvoir la monter sur le train élargi. Donc ça, c'est le premier truc à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau du montage? Donc on a pu le montage avec le cerveau flottant, hein, qu'on avait dans les anciennes versions. Donc là, on a uniquement donc le montage avec le cerveau en bas, et non plus sur la platine comme avant. Ça faisait pas beaucoup de gains, hein. Ça nous permettait un petit peu de gagner sur les pistes à faible grip. Mais là, du coup, on récupère cet avantage-là avec le train avant. On en reparlera un petit peu plus tard dans les essais. Autre changement, donc on va garder les links
donc le châssis étroit et puis les lignes montées comme ça de la version 18. Le principal changement, c'est qu'on va retrouver ici un nouveau berceau pour la cul, hein, comme vous voyez, avec des fixations par un élastique, hein, en ring, hein, donc ce qui permet de s'affranchir du scotch. On a toujours, hein, la possibilité de monter le kit en long, le pack en long, je veux dire, et puis de scotcher, hein, on a toujours comment ça s'appelle, les emplacements pour passer le scotch. Et puis, autre point qui est intéressant, on verra peut-être mieux de ce côté-là, voilà. C'est cette plaque, en fait, qui vient se fixer sur le berceau, donc qui nous permet de régler la position avancée ou reculée de la cul. Donc on a une petite cale, en fait, qui viendra se mettre derrière la cul, qui nous permettra de jouer avec la répartition des masses. Donc ça, c'est intéressant. Et puis ça permet de remonter, d'avancer ou de reculer la cul comme on le souhaite. Moi, je roule en position plutôt avancée, en général. Ça permet d'avoir une voiture assez facile. Plus on va la reculer, en fait, plus on aura un transfert de masse vers l'avant sur les zones de freinage ou ce genre de choses. Donc ça nous redonnera un petit peu plus de train avant, par exemple, à la décélération. Voilà. On garde comme d'habitude les deux dumpers à graisse et puis les petits ressorts. Gros changement aussi dans cette version 2019, c'est sur le pod alu, puisque en fait le pod, toujours en deux parties, ne contient plus d'insert en plastique pour régler la hauteur de caisse comme il y avait avant. Hein, mais on se retrouve avec ces pièces-là qui sont montées, dans lesquelles on pourra régler la hauteur de caisse en mettant des rondelles en dessous. Donc ces pièces directement avec les roulements à l'intérieur. Hein, on mettra les roulements à l'intérieur et puis on pourra régler comme ça la hauteur de caisse. Donc c'est emprunté à la version 12 et la version X10 aussi, X12 et X10. Donc ce sont les mêmes pièces. On peut aussi régler un petit peu l'empattement, hein, de l'ordre de 1 ou 2 mm en inversant les positions. Donc c'est pas un réglage qui est très très flagrant. Mais bon, ça peut permettre de mis bout à bout de faciliter la voiture si on veut un emplacement plus long, par exemple, pour avoir une voiture plus facile. Ou au contraire plus court pour par exemple rouler sur moquette. C'est possible. Et puis bien sûr, donc comme ce nouveau pod ne permet plus le montage derrière de la platine, donc la platine a légèrement changé. Et puis on le voit ici, en fait, donc elle est montée plus basse. Et puis on a toujours ces réglages de hauteur de hauteur d'aileron. Hein, et puis on a quelques trous dedans. On le voit ici, sur le côté, ici, là, hein, qui nous permettront de monter un ventilateur à l'arrière, hein, si on a besoin. Alors il faut que le ventilateur, bien sûr, il soit pas très large parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace ici. Mais un ventilateur pour le moteur, bien sûr, donc ça c'est tout à fait peu faisable. Et puis, donc, comme habituellement, on va retrouver le même axe avec le même différentiel à billes qu'il y a depuis la version 2015, qui marche très très bien. Là-dessus, il n'y a pas de nouveauté sur ce diff. Vous avez vu déjà en option le montage sur RCF1 du diff à pignon si vous voulez tester. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais on n'en parlera pas trop dans cette vidéo-là. Et puis l'aileron arrière, donc lui classique, qui marche plutôt pas mal, hein, sur cette version 19, hein, pardon. Voilà, avec plusieurs réglages d'angle pour mettre de l'appui sur l'arrière. Hein, donc là, pareil, hein, comme je vous disais, plus le réglage de l'aileron arrière, plus vous montez. Et puis vous allez retrouver de l'appui, plus vous le baissez, plus vous allez retrouver de la directivité, pardon. Donc voilà, ce sont à peu près tout ce qu'on peut dire sur le montage du châssis. Donc comme d'habitude, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, sur ce châssis. C'est une belle évolution quand même, notamment avec le train avant par rapport à la version 19. Moi je trouve que ça lui donne un vrai plus, hein, notamment en pilotage. On en reparle un petit peu après les essais. Donc il y a quand même pas mal d'évolutions sur cette version-là. On peut dire que ouais, c'est un petit gap quand même. Alors pas forcément en performance, mais en stabilité, en facilité de conduite. Je la trouve mieux. Je vais maintenant parler un petit peu des essais que j'ai pu faire. Donc on a fait rapidement un essai sur asphalte. Donc c'était sur une piste avec peu de grip à vanne. Là je l'avais mis en train large et on avait un vrai plus, hein, en termes de stabilité,
La voiture était hyper saine directement en sortie de boîte, donc avec les réglages quasiment d'usine, enfin le setup de boîte quoi, plus le train large. Voilà, ça marchait très 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 bien. Et puis ensuite, on a pu faire pas mal de tests là, sur Moquette ces derniers temps. Donc là, je suis revenu à un train étroit, un empattement plus court, un petit peu assoupli parce que la Moquette n'a pas beaucoup de grip sur laquelle on roule. Donc on a un petit peu assoupli ça et elle marche vraiment très bien. Bon, il n'y a pas de grosse différence en termes de perf par rapport à la 18 hein, dans cette configuration-là. Puisqu'on retrouve plus ou moins la même chose. On a effectivement le rigidifier pour le châssis qui donne un petit peu moins de flex à la voiture. Je trouve la voiture quand même vachement stable hein, par rapport aux autres versions. On a un petit gain en fait hein, en stabilité. Alors c'est pas forcément au niveau chronométrique, on va pas le voir tout de suite. Mais dans la facilité de conduire, on va le ressentir un petit peu. Je vous le dis surtout sur asphalte, hein, je pense, avec le train large. Le train large, il servira aussi sur moquette quand on passera du volante. Hein, parce qu'on sait que le train arrière du volante est un petit peu des fois récalcitrant. Ça permettra aussi de stabiliser la voiture. C'est le même principe. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu les quelques essais de roulage que j'ai pu faire donc, sur la moquette de l'Atlantic Racing Club à Nantes. Et puis on se reparle pour finir cette vidéo après cet essai. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc après sur Moquette, vous l'avez vu, il y avait quand même pas mal de grip. On a pu tester quand même pas mal de setup. Niveau solidité aussi, la voiture, vous le savez sûrement, quand on roule sur Moquette avec du balisage, il y a souvent beaucoup beaucoup de chocs. Franchement, j'étais bluffé moi par la solidité de la voiture. J'ai absolument rien cassé dans cet essai et pourtant elle a pris des gros pains. Enfin, du groupe 1, elle a pris des pains, quoi, comme ça se fait souvent sur Moquette. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Le châssis, il n'a pas bougé d'un iota. Il a pris un petit peu de jeu dans les plastiques, mais bon, ça, c'est après. C'était déjà le cas sur les anciennes versions de X-Ray. Les plastiques sont toujours les mêmes, donc on se retrouve toujours avec ce petit bémol là, sur les plastiques qui reprennent un petit peu de jeu après quelques roulages. Cela dit, ça gêne pas vraiment la perf de la voiture. C'est vraiment pour les puristes, ils le voient, ils sentent le petit jeu, les petits trucs comme ça.
À rouler, c'est pas, ça se sent pas énormément. Ou j'ai peut-être pas le niveau pour le sentir, c'est possible aussi. Voilà, donc ce qu'on a pu tester. Donc moi j'ai testé donc toutes les tous les montages, donc train avant large étroit, avec le flex ici déconnecté ou pas déconnecté. J'ai pu tester aussi avec le prolongateur. On retrouve exactement le même comportement avec le prolongateur que la version 18. Voilà, avec différentes huiles et tout ça. Le petit plus aussi, c'est vraiment le montage du O-ring. Hein. C'est hyper simple à faire, où en fait on a juste à dévisser. Par exemple, avant l'amortisseur, on cale la batterie, on met le O-ring, c'est terminé. Donc là, on gagne du temps hein, par rapport à la version avec du scotch. Ça, c'est pas mal. Et puis à l'arrière, j'ai pas trop joué avec les hauteurs de caisse. Hein. Une fois que c'est réglé, ça bouge plus trop. Donc ça c'est pas mal. Pas de... J'avais un petit doute sur la solidité du carbone à l'arrière, puisque les anciennes versions étaient un peu plus fragiles. Notamment la version à partir de la version 17 je crois, où il y avait ces réglages de hauteur qui montaient très haut. Et du coup le carbone avait tendance à prendre des chocs. Donc dans cette version-là, aucun problème jusqu'ici. Donc niveau solidité, ça ne bouge pas. C'est comme d'habitude, hein, on retrouve vraiment la qualité X-Ray. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Donc c'est un super châssis, vraiment. On peut y aller les yeux fermés, ça marche vraiment bien. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette revue. Je voulais remercier au passage Aiguin Racing qui nous a fourni ce kit. Vous retrouverez... sur son site plus d'infos, hein, donc sur les kits X-Ray, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis moi je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo sur RCF1. Hein, on a encore d'autres tests qui vont venir bientôt, notamment la 3 Racing qui va être bientôt testée. On espère aussi la Serpent dans pas longtemps. Donc voilà, il y a encore pas mal de trucs à venir sur RCF1 pour cette nouvelle année. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube et à la page Facebook RCF1. Et puis, comme d'habitude, allez faire un petit tour sur le forum si vous avez envie de partager des infos avec la communauté francophone F1. Vous êtes bien sûr les bienvenus, sans souci. Au contraire, du coup, voilà. On va se dire au revoir et puis à la prochaine vidéo sur RCF1. Salut!